Niveau cuisine, vous êtes plutôt sucré, salé, piquant, aigre-doux, ou simplement vous aimez marier les saveurs, comme celui qui mettrait du réfort sur son gefilte fish ou de la harissa sur son tagine aux dattes. Il semblerait d'ailleurs, selon nos sages, que notre patriarche Yitzhak appréciait le paradoxe des saveurs. Dans la vie, c'est un petit peu pareil. Rien n'est totalement doux. Et souvent, on rencontre quelque chose d'amer. Et avec maturité, on comprend que l'amertume est aussi une saveur nécessaire. Dans notre paracha, lorsque Dieu nous donne avec bienveillance la bénédiction, Re'anochi noten lifnechem hayom beracha uklala. La bénédiction est son contraire. En effet, dans la vie, sachons nous aussi nous concentrer sur les paradoxes, sur ce qui est doux et sur les épreuves pour savoir encore mieux les surmonter.